Dans cette capsule vidéo, nous allons rappeler la méthodologie pour réaliser un bilan macroscopique en régime non stationnaire. L'objectif est de déterminer la concentration particulière d'un milieu qui serait soumis à un gradient de concentration et donc siège d'un phénomène de diffusion de particules. Je propose le contexte suivant. Considérons un réservoir qui contient un soluté, par exemple des ions H+. J'appelle Cext la concentration en soluté que je considère constante. Considérons maintenant un système. Ce système, ça peut être par exemple un détecteur de pH, ou alors dans le milieu biologique, cela peut être une cellule. J'appelle N de T le nombre de particules de soluté, c'est-à-dire le nombre de particules de H+, que je peux compter directement en particules ou que je peux compter en mol. J'appelle C1 de T la concentration particulière ou molaire en ion H+. Enfin, j'appelle V0 le volume du système. Le système est séparé de l'extérieur par une membrane. Cette membrane peut s'opposer au phénomène de diffusion de particules. On lui associe donc une résistance diffusive R₁D. Nous allons faire un certain nombre d'hypothèses avant de réaliser le bilan particulaire. On va supposer que la concentration en ion H+ à l'intérieur est supposée uniforme, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du point considéré dans le système. On se dote d'une valeur initiale pour la concentration en ion H+, et on considère que le système est juste siège d'un phénomène diffusif, c'est-à-dire qu'il n'y a ni création ni consommation de matière à l'intérieur du système. Menons maintenant le bilan particulier instantané. Entre la date t et t plus dt, où dt tend vers 0, la quantité de particules n de t à l'intérieur du système a varié d'e. La quantité dn, qui vaut n indice t plus dt moins n indice t. Cette variation peut, en tout cas son unité, peut être en particules ou en mol selon le parti pris de départ. Réalisons maintenant le bilan macroscopique. Cette variation, elle va être sensible à des transferts de matière, et notamment le transfert de matière diffusif de l'extérieur vers l'intérieur. En toute rigueur, dans le bilan macroscopique, on doit compter aussi le transfert de matière qui aurait été consommé, moins delta n conso, et le transfert de matière qui aurait été créé. Bon, par hypothèse, on ne les considère pas. En divisant par dt, on va obtenir un bilan de flux particulaire. Ici, on retrouve d de n sur dt, qui correspond au taux d'accroissement temporel de la quantité de particules dans le système, qui est égal à delta nx vers int, donc le transfert de matière net de l'extérieur vers l'intérieur, que divise dt. Finalement, on obtient le flux particulier net échangé par le système avec l'extérieur. Son unité dépend de l'unité avec laquelle on dénombre les particules, soit il sera exprimé en particules par seconde, ou alors en mol par seconde. Ce flux net particulier, flux diffusif, peut s'exprimer grâce à la loi d'Ohm généralisée. En effet, la loi d'Ohm généralisée donne que le flux diffusif de l'extérieur vers l'intérieur, en référence système, c'est concentration extérieure moins concentration intérieure sur résistance diffusive. Cette loi va toujours être vraie en référence système et finalement va nous donner le flux algébrique. Si la concentration extérieure est plus grande que la concentration intérieure, alors on s'attendrait que les particules diffusent de l'extérieur vers l'intérieur, puisque les particules diffusent dans le sens des concentrations décroissantes. Est-ce cohérent? Si Cext moins C1 est positif, alors le flux particulier est positif, le système reçoit des particules. Inversement, si la concentration extérieure est plus petite que la concentration intérieure, on s'attendrait à ce que les particules diffusent de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui donnerait un flux négatif. C'est bien cohérent puisque notre hypothèse de départ, c'était de supposer que C1 était plus petit que Cext. Finalement, cette loi est toujours vraie, que le système transfère de la matière à l'extérieur ou que de la matière soit transférée de l'extérieur vers l'intérieur. Reprenons cette expression, injectons-la dans l'équation. Reprenons cette équation. Il s'agit maintenant d'exprimer n en fonction de la concentration en ion H+ à l'intérieur du système. On va utiliser la définition. D'après la définition d'une concentration, la quantité de particules, qu'elle soit directement en nombre de particules
ou en mol, c'est la concentration, particulière ou molaire, que multiplie le volume du système. Comme le volume du système est constant, lorsqu'on va prendre la dérivée temporelle de la quantité de particules, on va obtenir V0 que multiplie la dérivée temporelle de la concentration à l'intérieur du système. On n'a plus qu'à injecter cette équation à ce niveau. On n'a plus ici à ce stade qu'à réorganiser. On obtient une équation différentielle du premier ordre avec second membre constant. Si on fait une analyse dimensionnelle de cette équation, vous voyez que ces deux termes sont homogènes à des concentrations particulières ou molaires. Ce terme aussi. Ici, on divise par un temps. Donc nécessairement, par homogénéité, le produit R indice T V0 s'identifie à la constante de temps du système. La résolution de cette équation différentielle n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous allons admettre la solution en considérant qu'initialement nous avons une concentration C0. On obtient une solution de nature exponentielle. Graphiquement, on obtient l'évolution suivante pour C1 de T. C1 de T qui va évoluer entre C0, la concentration initiale, et Cext, puisque lorsqu'on voit qu'en régime permanent stationnaire, T tend vers plus l'infini, et donc ce terme tend vers 0, et donc C1 tend vers la concentration extérieure. Ce genre de phénomène peut faire penser au phénomène de charge aux bornes d'un condensateur. Le circuit équivalent serait le suivant. Imaginons qu'une source idéale de tension délivre une tension Cext. Cette source idéale de tension est en série avec une résistance R indice D et un condensateur de capacité V0. Si on note C1 de T, la tension aux bornes du condensateur, eh bien on peut avoir exactement la même équation différentielle que celle obtenue dans le cas du phénomène diffusif. Finalement, le volume V0 est analogue à la capacité électrique, à la capacité d'un condensateur à emmagasiner de la charge comme un système particulier a une capacité à emmagasiner des particules grâce à son volume V0. La concentration ici s'identifierait à la tension aux bornes de ce condensateur et on verrait un phénomène de charge. Enfin, ce qui s'identifierait au courant serait le flux particulier, le flux net de particules de l'extérieur vers l'intérieur.